Nous sommes à la station du Bory. Cette station est constituée d'une structure en acier galvanisé à chaud de 5 mm d'épaisseur, donc extrêmement solide, qui supporte un panneau photovoltaïque de 215 watts, une batterie de 90 ampères-heure. Le châssis dispose d'une valise Pelicase étanche dans laquelle il y a un data logger, c'est-à-dire une centrale d'acquisition de données, qui est une CR1000 de chez Campbell Scientific. Sur cette CR1000 sont connectés des capteurs. Alors actuellement nous avons un pluviomètre qui est juste derrière nous, qui va enregistrer donc les précipitations. Nous avons également une radiale là constituée de capteurs de température, plus exactement des thermocouples qui vont mesurer un gradient de température dans la fissure qui est à gauche, et des sondes pour mesurer la polarisation spontanée. Alors il y a une sonde de référence qui est située juste à l'angle de la station là derrière, et des capteurs qui eux sont situés de l'autre côté, juste à l'extérieur du bory, pour mesurer la différence de potentiel entre justement la partie externe au bory et la partie interne. On va essayer de se consacrer à la partie connexion avec l'ordinateur et des stockages des données. Les présupposés de base: il faut comme matériel un multimètre, les clés de la valise Pelicase, des deux cadenas, ensuite un ordinateur portable Itronix qui dispose du logiciel LoggerNet et potentiellement du paramétrage avec l'adresse IP de la station ou la PAC bus adresse de la station. Dans tous les cas, il faut que ce soit pré-paramétré pour pouvoir communiquer avec cette station. Ensuite, cet ordinateur doit avoir une batterie chargée et en plus de ça, potentiellement, une petite alimentation à découpage qui permet de l'alimenter via la batterie de la station. Comme ça, au moins, on est tranquille, pas de risque de coupure d'énergie pendant le déstockage. Voilà. Ensuite, le dernier élément prépondérant, c'est le câble de déstockage, qui est un câble RS232, avec d'un côté une prise donc DB9, femelle, de l'autre côté une prise étanche en phénol qui va se brancher sur la Pelicase. Voilà, on peut éventuellement avoir aussi en option un câble réseau qui est là si jamais on est amené à ouvrir la station. On peut la déstocker aussi en branchant un câble réseau directement dessus, ou encore on peut aussi enlever la carte compact flash et récupérer les données aussi directement sur la carte compact flash. Voilà, bien. On va essayer de se connecter avec l'ordinateur. La ligne à découpage est branchée, donc évidemment on fait gaffe de pas inverser les polarités. Elle est voilà, la petite alim, celle-là, elle est bloquée sur du 19 volts. Hein. J'ai fait en sorte de bloquer le petit interrupteur là qui vient de charger les tensions sur 19 volts, donc il peut pas y avoir d'ambiguïté. Ensuite, tac, on branche ça sur l'ordinateur. Alors bien entendu, cette alim à découpage n'est pas étanche, du coup s'il pleut c'est moyen. Le branchement du câble série se fait là-dessus. Là. Celle-là, voilà, il y a un petit détrompeur qui est là-bas vers l'arrière. Et là, normalement, hop, et voilà. Donc vous noterez que heureusement que les prises sont étanches parce que tout ça, c'est plein de flotte. Hop là. Ensuite, sur le côté de l'Itronix, ben, on a le port série là. Et voilà, à ne pas confondre avec l'autre côté le port pour le câble VGA. On a un logiciel qui s'appelle LoggerNet, qui est le logiciel de chez Campbell qui fait tout. On va lancer ce logiciel LoggerNet. Puis LoggerNet, donc, il ouvre une petite fenêtre là, sur laquelle on a accès à toutes ses fonctionnalités. Il y a un premier onglet Main, sur lequel on a des subdivisions en Setup, Connect, Status Monitor et Taskmaster. Pardon. Ensuite, il y a un onglet Programme qui sert à constituer des programmes pour programmer la station, l'onglet Data qui permet de faire des visualisations en temps réel, un onglet Tools qui actuellement est inutile, un onglet Utilities dans lequel il y a une chose qui est très intéressante, c'est le Device Config Utility. En fait, ce Device Config Utility, imaginons que l'ordi par exemple qui servait d'habitude à déstocker cette station ait été entièrement détruit et du coup qu'on a perdu tous les paramètres de la station. Device Config permet de se connecter quand même à la station sans pour autant connaître aucun paramètre de la station.
C'est une connexion de très bas niveau, mais qui permet d'accéder à tous les paramètres, aux données de la station et tout ça. L'onglet Setup servirait à créer un nouveau setup pour une nouvelle station. Et nous, ce qui nous intéresse là, c'est un onglet Connect qui va nous permettre de se connecter à la station en question. Nous avons, une fois lancé l'onglet Connect, accès à une petite fenêtre à gauche où il y a trois stations paramétrées, pré-paramétrées. Une qui s'appelle Bourrien RS232, une autre s'appelle Bourrien TCP et l'autre c'est CR1000 Test. Donc en fait, étant donné qu'on a branché le câble RS232, on va lancer la Bourrien RS232. Si on avait branché le câble réseau, directement en ouvrant la valise, en mettant un fil réseau, eh bien on aurait lancé la Bourrien TCP, une connexion TCP/IP. Là donc on est sur la Bourrien RS232 et on va faire un petit connect. Alors avant de faire un connect, on regarde quand même une chose qui est importante, c'est que c'est quand même bien de vérifier que l'ordi est à la date et à l'heure, c'est-à-dire qu'on est bien le 5 octobre 2017 et que l'heure TU est présente dans l'ordi, car si la station n'est plus à l'heure TU, eh bien il faudra pouvoir la mettre à l'heure. Et la mise à l'heure se fait avec l'heure de l'ordinateur. Donc l'ordinateur est à 7h29 TU, 7h4.11, donc c'est bien ça. Et l'ordinateur est à la bonne heure en temps universel. Du coup, on peut à ce moment-là se connecter à la station. Donc je me mets sur l'onglet Bourrien RS232 là, et je fais un petit connect. Voilà, et là, je me mets sur l'onglet Table Monitor Real. Donc là tout de suite on a un petit link qui s'affiche avec un petit chrono, ça veut dire qu'on est connecté, donc c'est déjà bon signe. Si on fait Table Monitoring, Real Time Monitoring, on peut voir en temps réel la table PS, une data table info qui donne toutes les infos sur les données enregistrées, et puis des tables publiques et status qui vont donner des infos sur la bonne santé, on va dire, du data logger. Donc si je fais la table Bori SP hein, par exemple, là on a plein d'infos. On sait par exemple que on a 188 977 données enregistrées. Que ben, voilà, on est voilà la date et l'heure, donc c'est la bonne date et la bonne heure. Que la batterie est à 14,3 V, ce qu'on a mesuré tout à l'heure avec le multimètre, donc pas de problème. Le panel temp C, c'est la température à l'intérieur de la pellicule, qui est le panel interne en fait de la CR1000. Donc il y a 8,59 degrés à l'intérieur de la boîte. Que nous avons 194 millivolts sur la DDP mesurée PS1. La DDP2 est à 214 millivolts,6. Et sur le gradient de température, on a 1, 2, 3, 4 avec respectivement 7,66, 10, 26, 9, 19 et 6,7. Le rain total millimètre, ça correspond à juste actuellement, il pleut pas, donc on n'a pas de pluie. Et le reste, ce sont des données de qualité par rapport à la réception satellite du GPS qui est chargé de mettre à l'heure TU, régulièrement de refixer l'horloge en heure TU. Voilà. Donc on a un décalage de 7999 microsecondes, ce qui est pas mal déjà, donc ouais, c'est ça, on le voit, on est à 7h32, 33, bon, par rapport à l'heure PC. Mais bon, a priori l'heure de la station est meilleure que celle du PC là pour le coup. Voilà, donc du coup, on voit que potentiellement tout fonctionne à merveille. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il va s'agir de faire? Donc, on aurait pu éventuellement, si on n'avait pas eu de mise à l'heure de la station par GPS, faire un set clock, là. Et du coup, il aurait mis en synchronisation l'heure du PC et l'heure de la station. Mais ce n'est pas utile actuellement. Si on avait voulu introduire un nouveau programme ou récupérer celui-là, ben on aurait fait Send New or Retrieve, là, voilà. Et maintenant, l'idée, c'est de récupérer les données. Donc, on peut faire activer la fonction collect now qui est là. Et là, eh bien, tout de suite, il nous récupère les données. Voilà, sachant que on aurait pu
avant spécifier les chemins, mais a priori on les avait déjà spécifiés avant. C'est-à-dire qu'il y a un onglet custom que je remontrerai après, qui va nous dire où est-ce qu'il a stocké les données. Mais en général, c'est dans le répertoire C-Campbell-C, voilà, data, un répertoire dédié à cet effet. Voilà. Donc là, c'est pas ultra rapide vu qu'on est en connexion RS-232, mais bon, ma foi, ça devrait le faire. Avant de faire la collecte des données, on peut aller dans l'onglet Custom. Et là, en fait, on peut lui dire qu'on veut les data since last connection, par exemple. Ça fait quand même gagner vachement de temps plutôt que de redéstocker la mémoire de la station. Et ensuite, spécifier les chemins. Et là, en fait, on a choisi de déstocker que la table BORI-SP, mais on peut aussi déstocker les autres tables qui sont les tables de, on va dire, de santé de la station. Donc, on peut prendre la data table info, la publique et la status. Qui vont donner par exemple des infos du style est-ce qu'il y a des watchdog errors. Des watchdog errors, c'est des erreurs d'horloge dans interne. Ça va donner le niveau de tension de la pile du BIOS par exemple aussi, des choses comme ça. Donc on peut éventuellement récupérer ces autres données. Donc elle, je la décoche puisqu'on l'a déjà prise, et je vais récupérer par exemple ces trois là, les données de santé de la station. Et je lui dis voilà, data since last collection. Et puis create new file, voilà. Et là, je peux faire aussi start collection, là aussi. Alors, celle-là, c'est des tables toutes petites, puisqu'elles font, vous voyez, 1 kilo octet, 4 kilo octet. Donc là, je ferme tout ça. Et puis, j'ai plus à faire disconnect. Alors, là, il ne faut pas oublier de faire disconnect. Parce que sinon, bah, la station, elle attend, elle va consommer de l'énergie inutilement à attendre que quelqu'un d'autre se reconnecte. Donc là, potentiellement, on peut faire un file exit et fermer loggernet. Voilà. Ça ira plus vite au câble réseau et ça ira encore plus vite si tu prends la compact flash. Le problème, c'est que le câble réseau et la flash, tu es obligé d'ouvrir la valise. Okay. Ouvrir la valise, ça veut dire foutre de l'humidité dedans, et ça, c'est pas un bon plan. Tu vois. C'est pour ça que normalement, tu as un deuxième sac de dessiccant qui permet de remplacer celui qui est à l'intérieur, parce que tu fais rentrer de l'humidité, donc tu remplaces